Voilà. Là, c'est celle-là. C'est lui qui n'est pas prêt. Bien joué, yo. Encore. Et un soutien. C'est reparti là, c'est reparti là. Pas forcément l'horloge. Voilà, à un moment donné, il faut calmer. Impeccable. Bien joué, les mecs. Ouais. Là, encore. Ouais, Yacine, ouais. Top. J'ai pas mal été adjoint au niveau coaching, donc que ce soit dans mon ancien club, pardon, au Stade Bordelais ou même à Bergerac. J'ai fait quasiment 4 ou 5 ans en tant qu'adjoint. Et voilà, c'est présenté l'opportunité d'être en U17 R1 en tant que coach principal. Donc ça m'a plu, le challenge m'a plu. Et puis donc voilà, tout naturellement, j'ai accepté. Et aujourd'hui, le rapport par rapport à mon ancien, enfin mon profil de joueur, mais je ne le mets pas trop en avant par rapport aux joueurs. Donc après, des fois, quand ils se renseignent, ils me posent des questions, mais voilà, j'essaie très peu de parler de moi avec mon parcours et ma carrière de joueur. Les Rouges, objectif, trouver Dylan. On trouve Dylan, Dylan inattaquable, on attaque le but opposé. Pas encore. Après, peut-être t'es visionnaire, c'est l'évolution. Ça a commencé l'année dernière avec les tests d'entrée. Il fallait que je m'inscrive courant avril. Et en fait, je prépare le BEF cette année. C'est un diplôme d'entraîneur qui autorise à entraîner jusqu'en R1 en fait après. Et c'est une formation assez costaud toute l'année. Moi, j'ai 6 semaines en formation. Et en plus de ça, je m'occupe des U16 R1 cette année avec Romain et Yohan. Donc ouais, c'est prenant, mais c'est passionnant parce que c'est en accord avec le coach, bien sûr. Il m'a donné l'autorisation de le faire cette année, et c'est quelque chose qui fait réfléchir aussi bien en tant qu'éducateur, mais aussi en tant que joueur. Et à 32 ans, je me rends compte que j'ai réfléchi à des situations auxquelles je n'avais peut-être pas pensé jusqu'à maintenant, et je trouve que c'est enrichissant autant du point de vue d'éducateur que de joueur. Attention à vos déplacements au milieu, hein. Soyez bien ensemble les trois, fermez bien les espaces. Allez, Zia, ça joue. Aujourd'hui, on est un petit peu à parité avec les garçons au club du BPFC. On a encore beaucoup de travail, mais en fait, on s'aperçoit que les choses évoluent bien, en tout cas au sein du club. Et puis, nous, eh bien, effectivement, on travaille avec beaucoup de recrutement extérieur, mais un développement, un gros travail qui est fait par les éducateurs, les employés du club aussi, pour les interventions dans les écoles, où on va proposer le foot à l'école, de façon à recruter un maximum de jeunes joueuses qui peuvent intégrer nos catégories U6 à U10, U11, U13 et puis U14 après, qui sont plus sur du football à 11, où là on commence à rentrer sur des équipes avec de la performance, de l'exigence, pour amener des filles au haut niveau ou dans d'autres clubs à haut niveau, ou bien nous dans notre formation. J'ai en charge une équipe de filles, U14, U15, qui évolue en Régional 1. Je suis sur la section avec Benoît et sur le centre de perf avec Johan. Après, mon rôle, il est de développer le football féminin en dehors, dans toutes les structures. Je les suis un peu partout, elles sont au centre de perf, certaines, j'en ai d'autres à la section. Et du coup, je peux les voir en dehors du terrain, comment elles sont, et sur le terrain. Et du coup, on n'a pas la même relation, où sur le terrain, où c'est plutôt sérieux, où on ne va pas rigoler, où il n'y aura pas de relation plus protecteur que quand je suis en dehors, où je peux vraiment faire attention à elles et les prendre individuellement pour parler de l'école ou de n'importe quel sujet, quoi. C'est important pour le club d'avoir effectivement ces relais féminins qui s'impliquent parce qu'elles sont toutes en train de passer ou elles sont en train de passer des diplômes pour accompagner les jeunes joueuses. Et donc en fait aussi je trouve que c'est un moyen d'intégrer et de pérenniser la section féminine et puis surtout de pouvoir avoir des joueuses qui vont rester dans le bassin. Et ça aussi c'est important de pouvoir leur proposer une fonction au sein du club pour qu'elles puissent rester à Bergerac.